Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 115e numéro du Synthé Night Club. Nous sommes réunis ce soir pour parler de la rencontre de samedi face au Paris FC, qui était une rencontre particulière pour plein de raisons. C'était un jour de fête, les 90 ans de notre immense club, un match qui arrivait dans une très bonne dynamique de résultats, il y avait un nombre incalculable de raisons d'être enthousiaste et excité. De mon côté, malheureusement, j'ai pas pu suivre le match en direct, j'ai dû me contenter du replay. Tel le Lionel Charbonnier du pauvre, j'étais en train de vendre des pantalons d'équitation au Salon du Cheval. Et oui, tout le monde n'a pas le bonheur de commenter des matchs pour gagner sa croûte. Eh bien, figurez-vous que j'ai pas pris énormément de plaisir footballistique devant le replay. J'ai eu le plaisir de voir un match avec une belle ambiance, mais pas un très grand match footballistiquement parlant. Comme si c'était le match de trop, comme s'il y avait eu un refus d'obstacle. Comme si ces dernières semaines ressemblaient à une fin d'année scolaire avant examen, où l'élève soucieux d'avoir son diplôme met toutes ses forces dans la bataille avant de se ramasser sur la dernière épreuve, parce que le soir même, bon bah il y a la fête avec les copains pour fêter la fin de l'année scolaire. Ouais, sauf que là, bah c'est pas la fin de l'année scolaire, c'est même pas le milieu de l'année scolaire. Il va falloir continuer les efforts parce qu'un championnat, c'est un contrôle continu. Il faut être régulier. C'est quand on est un bon élève sans plus, c'est difficile de se reposer sur ses acquis si on veut pas redoubler. Bref, demain, c'est la rentrée pour une partie de la France. Notre ASSE va retourner réviser pour la prochaine échéance contre Auxerre. Et ensemble, on va faire le bilan de ce week-end. Pour cela, j'accueille le proviseur de l'émission. Bonsoir Alex. Bonsoir et merci pour cet hommage indirect à cette éducation nationale voilà, que je sers chaque jour. Écoute, ravi d'être avec toi pour débriefer d'une défaite, une fois n'est pas coutume. J'espère qu'on ne va pas trop s'y habituer. J'espère qu'on ne va pas s'y habituer, effectivement. Et j'accueille celui qui a, lui, le plaisir de commenter des matchs pour gagner sa croûte. Bonsoir Patrick Guillou. Bonsoir, tu m'enlèves le paillasson ou le tapis sous les pieds. J'allais dire, ben moi je gagne ma croûte en commentant des matchs. Et puis pour rester aussi dans le vocabulaire scolaire, moi j'étais plutôt assis au fond de la classe près du chauffage en train de rêver à travers la tête des victoires de l'AS Saint-Etienne. Tiens, comment ça se passait d'ailleurs quand toi tu étais jeune apprenti footballeur au niveau des études? Il y avait des aménagements, tu faisais ça juste sur ton temps libre, comment ça se passait? Ah, mais moi, j'ai peut-être pour ça que j'étais un peu rustre techniquement et tactiquement. J'ai fait ma scolarité complètement normalement. J'étais certes 2 années en sport-études, mais j'ai pas été en centre de formation. J'ai passé mon bac. Après, je suis devenu semi-pro. J'ai fait dans un premier temps une licence TAPS avant de faire un DUT d'allemand quand j'étais joueur à Rennes. Et j'ai toujours continué mes études en parallèle de ma carrière de footeux. Ok. Ok, ok. Ouais, finalement, on a fait pareil, hein. Outre le physique et la technique, je ne sais pas ce qui me manquait, tu vois. Ouais, et puis, sauf que toi, tu es plus longtemps à l'école, la preuve, tu y es encore. C'est ça. Et avec nous au chat ce soir pour nous accompagner et pour faire remonter vos messages pertinents, Gab. Bonsoir, Gab. Très heureux de rejoindre l'équipe. Comment ça va? Ça fait plaisir. Après, j'aurais préféré rejoindre sur une défaite. Sur une victoire, pardon. Bah, ça fait très bien, mais bon. Oh, le lapsus révélateur. C'est clair. C'est bon, clair. Apparemment, Karl m'a dit de te donner les droits modérateurs, mais il ne m'avait pas donné le bon pseudo. Hop, je m'occupe de ça tout de suite. Oui, c'est le direct. Hop, ah, et puis, c'est la minute tutoriel là. Ouais. C'est ça, exactement. Si vous voulez mettre quelqu'un modérateur de votre chat, vous écrivez /mod dans le chat, espace et le pseudo de la personne. Voilà, tous les gens qui ne s'intéressent pas à Twitch se foutent de cette information. Allez, c'est parti, débrief du match. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, pour commencer, je vais vous demander simplement ce que vous avez retenu de ce match en quelques mots. Si vous deviez retenir une idée dominante, qu'est-ce que ce serait? Et je vais commencer avec toi, Patrick. J'ai regardé aussi le match en replay. Alors à chaque fois, moi je compare avec le foot que j'aime, avec le foot que je commente, avec le foot que je vois. C'est sûr que quand tu regardes ou tu commentes la veille
ou en même temps, ou juste après Dortmund-Bayern, et que tu regardes le match Saint-Étienne-PFC, faut se mouiller, forcément, on va me dire, il faut comparer ce qui est comparable. Oui, mais l'ambiance, que ce soit devant 82 000 avec un stade à guichet fermé ou 39 000 avec un stade à guichet fermé à Saint-Étienne, l'ambiance est la même. Et à un moment donné, depuis des semaines que j'écris les chroniques, je me focalise sur le contenu. Et force est de constater que sur le contenu de ce match-là, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais. J'avais été, je pense, objectif aussi, voire dithyrambique après la victoire face à Angers, parce que je me suis dit, tiens, ça y est, ils ont compris, ils ont enclenché et ils ont compris ce qu'on veut voir. Ils ont compris surtout l'obligation qu'ils avaient, les devoirs qu'ils ont de, pendant 90 minutes, dans les circonstances actuelles, dans le monde qui nous entoure, de nous offrir du plaisir, des émotions. Et encore une nouvelle fois, sur un gros match, eh bien, ils sont passés à côté. Ouais, c'est un petit peu le sentiment qu'on retient, c'est effectivement de la frustration principalement. Alex, t'es d'accord avec ça ? Bah, c'est un petit peu symptomatique. Moi, j'ai l'impression que là où on ne les attend pas, ils répondent présent. On les attendait pas contre Caen, on les attendait même pas forcément plus que ça à Concarneau, on les attendait pas contre d'autres équipes contre qui ils ont fait de belles perfs, à Laval notamment. Et puis là, on les attend parce qu'on se dit bah, ils sont quand même sur 10 rencontres sans défaite, avec pas mal de victoires dans ces 10 rencontres. Ça les propulse à la deuxième place. Il y a tout pour bien faire. Et à tous les étages du club, et quand je dis bien à tous les étages du club, je parle bien entendu des joueurs, du staff, mais je parle aussi de tout l'environnement. Je pense que comme ça arrive souvent à Saint-Étienne, on s'est encore vu un petit peu trop beau. On a relâché la pression et on s'est laissé aller là où il faudrait rester concentré et le couteau entre les dents. Voilà. Ouais. On va parler de la soirée dans sa globalité. Hein. On va parler du match, bien sûr, mais on va parler aussi des autours du match. Mais d'abord, d'un point de vue purement sportif, Patrick, tu t'écrivais dans ta chronique que la prestation des Verts avait manqué d'engagement, d'intensité. Est-ce que, pour toi, ce manque d'engagement, d'intensité, c'est une défaillance physique ou c'est plutôt un problème d'état d'esprit ? Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai regardé le replay, je me suis permis aussi de regarder le replay de l'avant-match et le replay de l'après-match. Ouais. Et dans l'avant-match, le coach stéphanois dit clairement qu'il reconduit le 11 titulaire parce qu'il lui a donné satisfaction, mais surtout parce qu'ils ont bien récupéré. Je reprends juste ses propos dans l'avant-match. Donc la notion de fatigue, d'accumulation des matchs, de jours de récupération en moins, elle ne tient plus après les matchs. Ça, c'est une certitude. Ensuite, j'ose espérer que les joueurs sont préparés pour pouvoir jouer tous les trois jours. Parce qu'il y en a peut-être qui aspirent à connaître le très, très haut niveau. La Ligue 2, c'est du football professionnel, mais ce n'est pas le très, très haut niveau. On est d'accord sur ce constat. Et que si à un moment donné, un d'entre eux veut jouer dans un grand club où il va faire 50, 60, 70 matchs par saison en étant international, il ne faudra pas venir se plaindre parce que tu as un jour de repos en moins. Moi, avec Bordeaux, j'ai connu et la deuxième saison un groupe d'Europa League et que ça demande d'autres compétences, ça demande une autre approche professionnelle quand tu joues tous les trois jours. Là, à un moment donné, si tu n'arrives pas alors que tu es sur une dynamique hyper positive, alors que tu as 39 000 au stade, à te transcender pour aller t'arracher sur le moindre ballon, eh ben, à un moment donné, on comprend mieux pourquoi je dis que c'est difficile d'accepter le contenu de ce qu'on a vu samedi après-midi. Après, il y a deux choses qu'il faut prendre en considération. Et quand j'analyse les matchs, j'essaie de les analyser le plus objectivement possible. Quand j'écris, j'ai la plume parfois plongée dans le vitriol, mais j'essaie d'être objectif quand Saint-Étienne gagne, mais aussi quand Saint-Étienne perd. Je ne garde pas à chaque fois mes lunettes vertes et blanches sur les yeux. Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont hyper importantes pour avoir de la hauteur sur les événements. C'est que le vrai baromètre dans cette équipe, c'est Tardieu. Ouais. D'accord. Si Tardieu va bien, l'équipe va bien. Si Tardieu va pas bien, l'équipe est un peu moins bien. Si Tardieu n'est pas là, l'équipe perd. Si Tardieu est là, elle a gagné pendant 10 matchs.
Donc il faudra se poser la question quand même, si jamais il manque des points en fin de saison, pourquoi Laurent Batless n'a pas eu le joueur qu'il voulait absolument dès le mois de juillet et qu'on lui a offert à fin août quand les résultats étaient moins présents. Et la bonne forme de l'AS Saint-Etienne correspond au moment où Tardieu est arrivé. Il faut placer les choses dans l'ordre chronologiquement et pas avoir la mémoire trop sélective. Ensuite, l'Arsonneur, qui a 85% d'arrêt, regardez ses statistiques, on va dire c'est formidable. Mais normalement, il est en train de surperformer parce que pour avoir 85% d'arrêt depuis le début de la saison, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une, il fait des arrêts décisifs, mais surtout deux, il est hyper sollicité. C'est-à-dire que moi, je regarde les gardiens en Bundesliga, je regarde les gardiens en Angleterre, ils sont à 70-72%. Ça veut dire qu'ils ont très peu d'arrêts à faire, mais qu'ils les font. Quand tu as 85% d'arrêts, ça veut dire qu'en plus de ça, tu es hyper sollicité. Et donc, ces deux piliers-là de ces dernières semaines ont été des éléments stratégiques hyper importants. Et c'est pour ça que quand il y avait des matchs gagnés, je me disais, c'est juste un trompe-l'œil. Parce que le contenu n'était pas là, sauf le match d'Angers. Ouais, ouais, je te rejoins, Patrick, si ce n'est que contre le Paris FC, Étienne Green n'a pas été extrêmement sollicité, en tout cas pas en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il l'a été un petit peu plus, mais honnêtement, quand on a 0,2 occasions dans un match, on peut n'être sollicité qu'une fois et en plus encaisser le but, c'est suffisant pour l'adversaire. Mais... sauf en plus si je me trompe, mais je crois qu'il a fait quand même deux arrêts importants en première période, parce que si le PFC joue bien le coup, il peut y avoir 0-2 déjà à la mi-temps, et puis on ne serait pas en train de discuter de savoir si on a perdu 15-0, et puis si Diarra a perdu le ballon, et s'il y a eu des bons changements, s'il y a eu la masse athlétique dans les couloirs, si le coup qu'il voulait que Lolo Batless a voulu mettre en place a marché ou non. À un moment donné, il faut aussi écouter aussi et pas se focaliser uniquement sur la conférence de presse d'avant et d'après match de Lolo Batless, mais aussi celle de Gilly, où il dit clairement: nous avons détecté les faiblesses de l'AS Saint-Etienne, nous avons mis un plan de jeu en place, et qu'à un moment donné Saint-Etienne est tombé parce que le PFC a joué dans les faiblesses et dans les lacunes de l'AS Saint-Etienne. Voilà, alors après on peut refaire le match, on peut l'écrire plein de fois, plein de choses, on peut écrire comme on le souhaite, en fonction de ses sensibilités, en fonction de comment on veut voir le match. Mais objectivement, Lolo Batless l'a reconnu aussi, au moins prendre un point, ça aurait été, vu les circonstances, ce qu'il y avait de mieux à prendre, mais le PFC a absolument mérité sa victoire. Moi, ce qui me gêne là-dedans, excuse-moi, ouais, vas-y. Après, je fais vite. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'en effet, Gilly dit bon, on a détecté les faiblesses de l'AS Saint-Etienne, on a analysé, etc. On n'en attend pas moins du coach adverse. Ce qui me gêne, c'est qu'on a la sensation que Laurent Batless, et c'est la sensation qu'il renvoie, ne s'y attend presque pas. Ça fait 10 rencontres. On joue de la même manière, quasiment avec les mêmes hommes, si ce n'est les blessés qui font que d'autres joueurs rentrent, mais sinon on joue avec les mêmes. Et au bout de 10 rencontres, on a la sensation qu'on vit un petit peu sur la lancée de ce qu'on a créé et que, bah, ma foi, ça va encore passer parce qu'en plus il y a 35 000 spectateurs et que ça va suffire. Et c'est là où j'en veux beaucoup, d'abord à Laurent Batless, son coaching et le fait que je le sente très souvent incapable de réagir à une nouvelle donnée, à quelque chose qui est proposé par l'adversaire. Et puis je suis désolé, mais il n'y a pas d'inventivité offensive depuis 10 rencontres, qu'on les gagne ou pas, et on n'en voit toujours pas. Et c'est en ça où c'est presque miraculeux qu'on soit si haut dans le classement aujourd'hui. Et ça ne m'étonne pas du tout que l'Arsenal ait été autant sollicité depuis le début de saison. Voilà. Il y a plusieurs choses, hein. C'est pour ça que malgré les victoires, je me suis toujours focalisé, même dans les chroniques, sur le contenu, parce que c'est ça qui va être le plus important. Et dans ma chronique d'aujourd'hui, j'écris, pour une fois, la réalité du contenu correspond aussi à celle du tableau d'affichage ou à celui du tableau d'affichage.
C'est-à-dire qu'il y a des fois, on était moyen, voire mauvais, et on arrivait à gagner 1-0, et puis le match était plié. On se rend compte que l'importance de l'ouverture du score en Ligue 2, parce que ça change exactement, et ça change tous les plans, et Lolo Bacless l'a dit derrière, sur ce match-là, je pense que si on avait ouvert le score, le PFC n'aurait pas agi de la sorte. Oui, mais à un moment donné, pour ouvrir le score, il faut aller aussi le provoquer, le chercher. Et là, ce n'est pas Lolo Bacless du bord de touche qui va faire les passes décisives. Ce sont ceux sur le terrain qui doivent se dépouiller pour aller chercher le résultat. Et c'est ça qui a cruellement manqué. C'est-à-dire que effectivement, moi, j'ai eu aussi ce sentiment. C'est la fête au village. Tout le monde est content de venir au stade. On sort les petits drapeaux et puis ça va le faire à un moment donné ou un autre. Il va y avoir un concours de circonstances qui va faire que la pièce tombe du bon côté. Bien non, ce genre de match, il faut s'arracher absolument. Ouais. Oui, un peu trop de confiance peut-être. Gab, je viens vers toi. J'ai vu que tu avais demandé ce que les gens retenaient un petit peu de cette rencontre. Qu'est-ce qui ressort ? Il y a plutôt de la déception pour Céline par rapport à l'anniversaire, forcément. Leïla qui pointe le coaching de Batless, qui trouve mauvais. Elle dit qu'on s'est vu trop beau par rapport, je pense, à la victoire de lundi. Ouais. Comme Pascal qui constate, lui, qu'on n'y arrive vraiment pas à domicile face aux équipes qui viennent défendre, même si on n'a pas forcément beaucoup attaqué. SNR qui trouve qu'à force de gagner sur le fil de rasoir, c'était prévisible qu'à un moment ça lâche, comme on disait. Il y a El Cato qui trouve que l'effectif est trop restreint et globalement ça se rejoint sur le fait que qu'il n'y a pas assez de travail à l'entraînement sûrement sur l'attaque parce qu'on ne voit pas assez de schéma. Et il y a beaucoup de viewers qui se rejoignent sur le fait qu'on manque beaucoup d'attaquants excentriques. Ouais. Et on le voit. Excentrique ou excentré ? C'est Chambaud qui vient dépanner. Des ailiers. Ouais. Parce dans, que c'est, dans c'est, ce vrai, cas-là, c'est vrai qu'on pourrait faire revenir Max Alain Gradel pour avoir un ailier excentrique. Oui, Patrick, Molo. Je t'écoute. Oui, mais dans ce cas-là, ce n'est pas la faute de Laurent Bacless. Dans ce cas-là, c'est la constitution de l'effectif qu'il faut remettre en question. C'est-à-dire que si l'effectif n'est pas équilibré parce qu'il manque des joueurs, c'est quand même le directeur sportif et ceux qui sont chargés de la politique sportive de mettre ça en place. Ouais. Après, il y a une autre chose aussi. C'est que, et là on peut vraiment se poser des questions, c'est que on est parti sur un système de jeu à trois défenseurs, et l'effectif a été construit en fonction de ça, et qu'entre-temps, le chemin et la route arpentée a été changée avec ce 4-3-3, et que donc du coup, la fonction et le rôle des joueurs, les spécificités, le profil des joueurs n'est absolument plus le même. Ouais. J'aimerais revenir un petit peu sur ce que Patrick t'a dit par rapport à l'avant-match et aux déclarations de Laurent Bacless et à l'après-match également. Alex t'en parlait aussi. En après-match, là, j'ai sous les yeux une citation où il nous dit « Je me suis posé pas mal de questions, notamment concernant la fraîcheur de chacun après le match de lundi. Il est difficile de changer une équipe qui a performé. Ce sont des choix. Peut-être qu'avec le recul, amener de la fraîcheur aurait pu être bien, mais à l'inverse, ça veut pas dire que ça aurait changé le contenu. » Alex, tu disais que Laurent Bacless depuis 10 matchs faisait quasiment pas de changement et restait sur la même composition, mais je me souviens aussi, pour avoir présenté de nombreuses émissions là ces deux dernières années, que c'était quelque chose qu'on reprochait pas mal ces derniers temps, le fait qu'on était l'équipe d'Europe qui avait presque le plus de joueurs utilisés de son effectif et qu'il n'y avait absolument pas d'équipe type qui se dégageait. Vous, est-ce que là, après le match contre le Paris FC, sans être result-oriented, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo, sans être dépendant de l'analyse du résultat, est-ce que vous trouvez que c'est une erreur d'avoir maintenu l'équipe en place de lundi, ou est-ce que vous pensez que c'était la bonne solution? Parce que, mine de rien, avoir une stabilité, c'est peut-être aussi ce qui a permis d'avoir la bonne série de laquelle on sort. Alex, t'en penses quoi? Non, mais je suis d'accord, la stabilité a besoin aussi d'habituer les joueurs à jouer ensemble, de changer les éléments de l'équipe du 11 de départ avec parcimonie, avec réflexion, en observant, en écoutant aussi, en échangeant avec les joueurs. Il se trouve, et Patrick le disait très justement, que
Laurent Batless a parfois pas du tout le choix que de laisser les hommes qui sont actuellement dans le 11 de départ. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui pour mettre à droite à la place de Cafaro? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui pour mettre à droite à la place de Appia? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui pour, alors peut-être pas la charnière centrale, mais pour essayer de donner un petit peu d'oxygène à son milieu de terrain? Bah, en soi, même la charnière centrale, la titularisation de Nadé, on s'y attendait quand même pas en début de saison. Non, mais il est là pourquoi? Il est là tout simplement parce qu'à un moment donné, on a Batoubine Sika qui n'est pas, ouais, pas valide. Sinon, il n'est pas là. À gauche, qu'est-ce qu'il a? Il a Pedro qui est la bonne surprise. Mais quand on met Benteg, on se rend tout de suite compte que Benteg, c'est pas au niveau et même déjà de la Ligue 2. Hein. À gauche, il met Rivera parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et moi, je l'aime bien, ce petit Rivera. Mais il a besoin de jouer, hein. Il a besoin d'enchaîner. Et puis devant, Sissoko, parce que Charbot, il est à la rue complet. Donc voilà, on a vraiment la sensation que la stabilité, elle est aussi du fait d'un effectif qui n'est pas aussi profond que ça. Hein. Oui, Patrick, tu voulais rajouter un truc? Oui, parce que je réfléchis en même temps et j'essaie d'analyser en même temps pour avoir, essayer d'avoir un angle différent. Effectivement, j'étais le premier à l'écrire, quand tu utilises 38, 40 joueurs après 10 matchs, ouais, l'année dernière, tu te poses la question de savoir sur la stabilité. Le plus difficile quand tu es dans un staff, quand tu travailles, c'est de trouver un équilibre et surtout après, ça va un peu plus loin. Bon, il y a l'organisation, après il y a l'équilibre, et puis après il y a le travail aussi d'association, c'est-à-dire qui peut jouer avec qui, est-ce qu'ils sont complémentaires, même si il y en a un qui a peut-être plus qualité de l'autre, mais il sera moins complémentaire avec le latéral que je vais mettre derrière. Donc il y a toutes ces réflexions. Sur la fraîcheur également, le groupe est en pleine confiance. Alors je crois absolument pas, quand tu es coach, la discussion avec le joueur qui va te dire alors tu es à 100%, tu veux pas jouer, tu as 39 minutes au stade, même s'il a un boulet au pied, il te dira coach, je suis à 100%, voire même 100%, donc ça ne peut pas passer. Après, c'est de pousser toujours un peu plus loin les données. C'est par exemple dans les grands clubs où on fait tous les matins un bilan sanguin, on fait les tests lactate et on voit tout de suite si le joueur il a récupéré ou non, s'il a besoin de quitter une séance et de louper une séance mais en accord avec le staff technique, et on le met au frigo et on te dit le plus important c'est quand même le match de samedi. Et ensuite voilà, alors quand le petit jeune là, Benteg, qui a été recruté, quand tu dis il n'a pas le niveau des deux, ou il a le niveau pour jouer plus haut? Non, pour moi il a pas encore le niveau de Ligue 2, le niveau tactique de Ligue 2. D'accord. Physiquement Donc d'accord, mais quand on le recrute, quand tu supervises 40 championnats nationaux étrangers et que tu vas chercher ce joueur, on nous dit que c'est le prochain Roberto Carlos et que offensivement c'est le plus fort, mais qu'il a quelques déficits défensivement. Bon, le prochain Robert Carl à la rigueur, mais pas Roberto Carlos. Non, mais je trop citré comme ça me caractérise et parce que ça m'arrange bien. Mais à un moment donné, il faut si tu veux monter, prends des joueurs qui ont l'habitude de ce championnat-là. Genre Tardieu. Tu fais un deal avec eux, tu leur dis merci beaucoup, on monte en Ligue 1, merci pour service rendu, on te fait une prime de montée. Et puis voilà. Mais prends des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans ce championnat-là. Ou alors, sois honnête intellectuellement, et quand tu vas recruter un joueur comme ça, tu dis je fais un pari, mais il faut pas que ce soit un pari qui coûte trop cher. Voilà. Oui, mais bon, parce qu'on nous le présente comme étant un joueur qui faisait la Ligue des Champions en Afrique et qui est un des meilleurs latérales gauches d'Afrique. Donc qu'est-ce que je viens de dire? C'est le Roberto Carlos marocain. C'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Donc voilà. Mais c'est alors, ça. Il y a plein de choses. Il y a l'adaptation, il y a le contexte stéphanois, il arrive dans une équipe qui ne tourne pas forcément et que peut-être… Mais on en a eu ces dernières années aussi qui n'étaient pas forcément des Roberto Carlos en puissance sur le côté gauche et qui est derrière, ça n'a pas fait la maille. Mais bon, ça arrive. Hein, si jamais tu peux avoir dans ton recrutement aussi des joueurs qui passent pas le gap. Mais ces dernières années, force est de constater qu'il y en a quand même un paquet qui n'ont pas passé la maille. Hein. Bon, mais aujourd'hui, par rapport au match du PFC, par rapport à la fatigue, par rapport au système technique, par rapport à tout ça, il n'a pas voulu toucher à son équilibre. Il s'est dit que c'est le dernier match,
et qui va pouvoir ensuite récupérer beaucoup plus pour le match d'Auxerre. Et donc, il a tenté un truc. Moi, c'est pas ça. Il a fait un choix qu'il assume derrière et il a raison. Il a raison de le sentir. Ça, c'est son staff, c'est son préparateur physique. Ils le sentent ensemble. Et après, c'est facile de dire pour nous, non, mais il aurait dû faire 3 ou 4 fois. Ouais. Bon, mais voilà, mais quand tu fais ces choix-là, assume-les jusqu'au bout. Gab, je viens vers toi. Je vois que ça commence à parler des individualités un petit peu dans le chat. Ouais, bah déjà pour commencer, il y avait Grintov qui dit que sans mercato d'hiver, on aura beaucoup de mal à monter, mais avec les présidents, on s'attend à tout, entre parenthèses, donc à rien. Sinon, plus individuellement, sur Rivera, c'est assez mitigé. Il y en a qui disent que Rivera peut pas être titulaire dans cette équipe et que c'est plutôt un joker, mais il y en a d'autres qui, au vu du rendement statistique de Diarra pour l'instant, le préfèrent, justement, dans ce qu'il peut apporter. Préfère Rivera. Sinon, Céline qui se demande pourquoi sortir Nadé et du coup peut-être déstabiliser la défense en repassant Petro dans l'axe quand on voit qu'on prend le but 2 minutes après. Et puis au final sur Charbonnier, bah, les gens sont plutôt d'accord pour dire que on reverra jamais le Charbonnier d'avant blessure. Et du coup, on se demande pourquoi Batles s'obstine à le faire rentrer dans le premier lot de remplacement. Comme dit Grintoff, au contraire faire rentrer Mouefek à 5 minutes de la fin. Ouais, Patrick, tu voulais rajouter quelque chose sur. Non, mais par rapport au changement, sauf si je me trompe, par rapport à ce que j'ai vu à la télé, les changements allaient être effectués avant l'ouverture du score. Et donc, il y a eu le changement, ils ont été prêts, après Diarra perd le ballon. Et ça chamboule tout. Donc après, il refait quelque chose. Il essaye de remettre un autre système en place ou une autre dynamique en place. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, ces changements. Par rapport à Nadé, on est d'accord que c'est un backup. Donc aujourd'hui, il rend service. Mais comme tu as besoin, quand tu joues la montée, d'avoir des joueurs qui assument ce statut de backup et d'être performants quand ils jouent. Et puis après, de relaisser leur place quand les titulaires en puissance sont présents. Ensuite, concernant les matchs que joue Lionel Charbonnier, il s'est fait les croisés, il a prolongé très certainement pour moins que quand il est arrivé. Après, il a peut-être dans son contrat un nombre de matchs qu'il doit effectuer pour éventuellement prolonger ou pas prolonger, pour toucher une prime ou pas une prime. À mon avis, s'il a un bon agent, c'est comme ça, ça a dû se goupiller. Et donc, du coup, t'as besoin d'un Charbonnier parce qu'il pèse encore pour les défenses. Hein. C'est lui qui met le bon ballon en retrait hein, quand même sur la seule action du match qu'on a. Donc voilà. Après c'est des trucs. Nous on est de l'extérieur et on n'a pas toutes les données de l'intérieur sur ce qui anime Laurent Batless et son staff à faire ces changements là. Aujourd'hui, on a vu que les remplaçants pouvaient avoir aussi l'importance, comme Mouefek. Hein. On a vu sur certains matchs qu'il était décisif, non seulement buteur, mais aussi à la récupération. Il apporte au moins ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le cœur. On ne peut pas lui reprocher non plus qu'il n'aime pas le maillot vert. Donc voilà. Est-ce que c'est une crise de croissance? On va l'espérer, et qu'à un moment donné, tu retombes un peu plus bas. Mais si tu ne remets pas les ingrédients essentiels d'un match de Ligue 2, des matchs comme contre le PFC, tu vas en perdre d'autres. Hein. Ouais. Le premier intervenant là, du chat parlait du mercato d'hiver qui pourrait encore nous sortir d'un mauvais pas. Ouais. Ah oui, c'était marrant ça, parce qu'il ne faut pas avoir trop la mémoire sélective encore, parce qu'il faut rappeler les choses comme elles sont bien. Je me rappelle que lors du premier match, le mercato était déjà effectué à 90% et que sauf erreur ou sauf... Tout était fait. Et puis après 3 matchs, on te recrute 3-4 joueurs. Et puis pendant la deuxième trêve internationale, on t'annonce dans le quotidien local qu'effectivement, on va modifier en fonction de ce qu'on va voir, notamment latéral droit, dans l'axe, peut-être encore un attaquant. On prépare déjà on se prépare déjà une bouffée d'oxygène supplémentaire. Il faut juste mais ça, on est les spécialistes, ça, Patrick. Ça, on est les spécialistes parce que, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que ni Loïc Perrin, ni Jean-François Soucas soient fidjiens, australiens, argentins. Je ne pense pas qu'ils vivent dans l'hémisphère sud. Parce qu'on a tendance à faire un mercato estival en hiver et un mercato hivernal en été.
Donc, j'ai quand même un peu cette sensation qu'on confond un petit peu tout, qu'on est toujours à contre-temps de tout. On apporte les solutions dernier cara en disant bah oui, bah oui, regardez quand même, on a apporté des solutions, on a pu le faire au dernier moment. Mais non, Saint-Étienne est capable de faire un mercato blindé dans le premier mois, avant la première journée de championnat, de réajuster avant la cinquième ou sixième journée de championnat et d'arriver solide. Sauf qu'on compte nos sous, on compte aussi nos efforts, on compte nos idées, on compte nos solutions. Et puis à un moment donné, ça donne ça, c'est-à-dire que tout se fait en format Lidl, alors qu'on a moyen d'être un grand de la grande distribution. Mais nous, on fait tout en Lidl et puis on se dit que ça va bien passer comme ça. Je vous propose qu'on parle un petit peu, au-delà du match sportivement parlant, de ce qu'il y a eu autour du match. Et je vous demande votre avis à vous dans le chat. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de la fête réservée aux 90 ans du club? Est-ce que pour vous, c'est un anniversaire qui est réussi ou est-ce que c'est un anniversaire qui est raté? Je vous parle de des choses qu'il y a eu autour, le fait que le match soit à guichet fermé, certes, mais avec les balcons fermés. Les animations, le fameux maillot des 90 ans qui a été très apprécié, mais qui malheureusement n'a été tiré qu'en très peu d'exemplaires, donc qui a été très vite épuisé, quitte à générer de la frustration chez les supporters. Je crois qu'Alex, dans ton introduction, tu disais que tu étais un petit peu déçu des célébrations qu'il y avait autour du match. Bah, je suis déçu des célébrations, moi je n'y étais pas, donc je ne peux pas vraiment dire tout ce qui s'est passé avant et après. Ce que je peux dire, c'est qu'on fête les 90 ans du club. Bon, je trouve que, je ne sais pas, les anciens, comment ils ont été mis à l'honneur, si on les a mis au centre de ça. Parce que c'est il y avait Paul Bayes quand même en tribune VIP. Hein. Ah ben, on est content. Donc, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des anciens glorieux, il y a des anciens moins glorieux, mais tous les anciens de Saint-Étienne, et Pat Guillou en fait partie, sont des gens qui sont respectables pour tout ce qu'ils ont apporté pour la S Saint-Étienne. Et je crois qu'on ne leur a pas fait assez la part belle, peut-être parce que c'est eux que les gens venaient voir aussi quelque part, au-delà de la rencontre. Je pars du principe que 90 ans d'un club, on peut fêter ça autour d'un match de gala, pas forcément d'un match officiel, mais bon, ça, c'est chacun aura son point de vue. Non. Sinon, pour les festivités, un 90 au milieu de la pelouse, un 90 dans la tribune, tout ça était très sympa. Moi, je regrette beaucoup la communication qui a eu lieu en amont de cette rencontre. On avait l'impression que le Festival de Rio s'installait à Saint-Étienne, que ça allait être hyper festif, hyper sympa. C'est super, les gens ont besoin de ça, mais on en a oublié l'aspect sportif et la rencontre qu'il y avait ce jour-là, et qui était une rencontre qui devait nous propulser à la première place au moins quelques heures. Et on est passé à côté. Ouais, Patrick ? Non, mais franchement... ça fait quand même depuis pas mal de temps que j'écris que la com, c'est des amateurs. Et je vais vous donner des exemples. Et vous allez bien comprendre qu'encore une fois, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter avec cet amateurisme dans un club qui est maintenant plus le club le plus titré, mais qui, où tu fais un truc de 90 ans et tu fais un truc, je ne vais pas dire grandiose, mais tu sors le budget pour pouvoir faire un truc sympa, ou bah, tu fais parce que tu es obligé de le faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Et derrière, tu as l'impression que c'est la fête de l'école, et rien contre les fêtes de l'école, mais tu fais vite fait un petit logo avec des enfants derrière, et tu mets un truc comme ça, et tu te dis, voilà, on l'a fait, et puis c'est fait. Donc voilà, ça c'est le vernis qui est fait pour bronzer, pour briller, et que derrière, tout le monde est content. Sauf que quand tu te vois, tu te dis, bah, tiens, c'est pas l'anniversaire, parce que le match où les 90 ans devait être fait avant cet anniversaire-là, et t'as pas pu le faire parce que les matchs étaient à huis clos. Donc tu fais un anniversaire et tes copes jouent pas le jeu ou ne vont pas dans la lignée de ce qui est proposé par la direction et par la communication. Ensuite, pour l'invitation, de ce qui concerne les joueurs, quand t'as un groupe WhatsApp qui est repris en partie parce que ce qu'on avait fait avec l'amicale ou les anciens, et que est-ce que vous pouvez vous passer et dire aux copains, éventuellement, parce qu'on n'a pas les numéros de tous les 600 joueurs, est-ce que vous pouvez vous passer le mot entre vous, nous dire, mais vous n'avez qu'une invite, vous pouvez au salon. C'est un truc de fou, si je vous raconte exactement le fil de comment la com, elle a géré le truc, t'as même pas une base de données de tous les joueurs. C'est-à-dire que... Ouais, ça fait amateur. Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a un président quand même. Alors, on va dire encore une fois, ouais, mais Pat, il l'ouvre encore. Tu as quand même un président
Le club l'a appelé sur le téléphone de sa femme parce qu'ils n'avaient plus le numéro de président du téléphone du président. Donc, où tu fais les choses et tu mets ton mouchoir dans la poche, tu mets ton ego dans la poche, les rancunes qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, pour ce match-là ou pour cette cérémonie-là, eh ben, tu fais la paix des braves, ou tu fais comme ça, et puis tu mets Paul Bayes en tribune présidentielle, en prison VIP, et rien contre Paul. Hein, ça, c'est oui, mec. Moi c'est un joueur que j'ai bien aimé en plus, mais oui, on est d'accord. Il est aussi en tribune VIP à Bordeaux, mais à un moment donné, je pense sincèrement qu'il y a des joueurs plus représentatifs que Paul Bayes. Mmh. Et à un moment donné, si c'est pour mettre les joueurs, les anciens joueurs au musée, mais qu'on ne laisse pas l'accès à la presse, ou très peu, et qu'à la fin, on ne laisse pas la presse rentrer pour avoir les numéros de téléphone, pour échanger, parce que la com verrouille le truc, et que tu les mets ensuite derrière, et que les joueurs, ben, les spectateurs qui étaient peut-être venus aussi pour voir les anciens, ne les ont jamais vus, hein, à part à part M. Jacquet, à part M. Révelli, qui sont vraiment les grandes gloires aussi de la Saint-Etienne. Il ne faut pas oublier que moi, ceux qui jouent aujourd'hui, les autres, ils sont là, parce que 76 et ceux d'avant 76 ont gagné des titres. Et ouais. Il ne faut pas mélanger tout, quoi. Il ne faut pas mélanger, encore une fois, les amis, parce qu'on a joué ensemble dans le club, parce qu'on a vécu des trucs sympas dans le club. C'est un truc... Alors, on va dire encore que je la ramène beaucoup, mais je vous dis que comme la façon dont a été organisé le truc, mais tu ne peux pas être plus amateur que ça. Hein. Ok. C'est une réalité. Dans le chat, Gab, les festivités, elles ont été accueillies comment ? Joss qui résume tout avec la question « Il y avait une fête ?» pour l'interrogation. Céline qui, je pense, était au stade puisqu'elle dit qu'il n'y avait rien en dehors du stade, rien dans le stade, rien sur le terrain. Donc complètement raté. Mais... Ouais, vas-y Patrick. Non, mais quand tu organises un truc comme ça, encore une fois, moi je compare avec ce que je vois quand je vais au Bayern par exemple. D'accord ? Et c'est ce que vers Saint-Etienne doit aspirer. Quand tu fais un truc comme ça, bah, libère un budget pour faire venir les choses en grande pompe, parce que tu avais des joueurs qui jouent à l'étranger. Mais si je peux aller plus loin, hein, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui ont dit « Mais moi, j'habite à l'étranger, est-ce que vous pouvez me prendre le billet d'avion ?» Ah ben non, ça n'est pas prévu, c'est une place par personne et un repas en place VIP dans le salon. Mais où tu dégages le budget pour le faire ? Ou tu le fais pas. Ou tu le fais pas. Ouais. Lidl. Je suis désolé de faire de la pub. Non, parce que je trouve dur, parce que des fois, moi, je fais mes courses au Lidl et je m'en sors bien aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Gav, je te redonne la main. Bah, du coup, comme disait Alex, il y a de Dauphinomaniaque qui trouve que c'était une fête Lidl un peu ratée, comme le match de l'équipe. Un match amical aurait été plus cool. Et SSE71100 qui trouve ça honteux. Et Jo42TV qui termine en disant que c'est raté sur toute la ligne. Ok, alors je me permets juste de répondre aussi à Pascal dans le chat qui demande pourquoi les balcons étaient fermés. Alors il y a un très bon article sur Peuple Vert qui résume le pourquoi, mais en gros c'est parce que ils se sont aperçus que pas mal de gens qui réservaient une place en balcon en profitaient pour descendre dans le COP pendant le match, vu qu'il n'y a rien qui empêche de passer du balcon au COP, et que du coup pour des raisons de sécurité c'était un problème malgré la rénovation du stade qu'il y a eu il y a quelques années. Et ça me fait halluciner. C'est-à-dire que plutôt que de laisser un maximum de personnes dans le stade, en réglant le problème de cet accès trop facile vers l'étage en dessous, on ferme une tribune. C'est magnifique. Hein. Ouais. C'est magnifique. Après ça, je pense que c'est la ville qui est responsable là pour le coup. Vu que le stade appartient à la ville. Oui, c'est vrai. Non, mais donc on est en train de dire qu'on ne peut pas le faire pour des raisons de sécurité. Donc on va faire porter la responsabilité de gens qui viennent du balcon, qui viennent dans le COP. C'est bien ça. Ouais. Donc, on ne peut pas inverser en dire ben, « règle tes problèmes de sécurité avant ». Ouais. Mais les stadiers qu'il faut, ben non, ça coûte. Fais ce qu'il faut, ben non, ça coûte. Et donc, du coup, on va te dire « c'est des problèmes de sécurité ben, », c'est parce que les gens, ils viennent du balcon. Mais c'est encore une fois, c'est les choses sont prises à l'envers parce qu'ensuite, le prisme qu'on va choisir va arranger les choses pour dire « ben non, on ne peut pas le faire ».
Messieurs, on a débriefé en longueur ce ASSEPFC sur et en dehors du terrain. Rapidement, on va faire un petit tour des stades de Ligue 2 et parler de nos principaux adversaires en termes de classement. Laval, qui reprend le large, qui prend 5 points d'avance sur la SSE. Hop, je vous affiche le classement ici. Grenoble qui a perdu avec un Vincent Ognon, donc passé par chez nous, qui a eu un discours assez épuisé, on va dire, sur l'arbitrage. Comment vous jaugez un petit peu nos adversaires au classement actuel ? Qui veut commencer à se... Vas-y, Pat. Non, mais les deux équipes ont réagi. Il y a chaque année, les deux équipes ont réagi, Laval et Angers, qui ont perdu contre nous dans un passé très très récent. Donc, ils ont réagi. Angers a brillamment réagi. Laval aussi. Pourquoi je bégaye comme ça un tout petit peu ? C'est parce que Saint-Étienne n'a pas le droit de perdre deux fois d'affilée dans les objectifs qui sont fixés. Tu as le droit de perdre des matchs. C'est arrivé, ça arrivera encore. Il n'y a absolument rien à dire. Mais par contre... t'es déjà sous pression à Auxerre avec tout ce que ça va représenter aussi en charge émotionnelle par rapport au match de barrage. Donc aujourd'hui, voilà, tu peux dire que tu as le droit de perdre des matchs, voilà, comme Saint-Etienne l'a fait face au PFC. Par contre, à Auxerre, il faudra prouver et montrer autre chose. Ensuite, Grenoble, c'est ce que je disais. Quand tu as autant de pénalties durant la saison, c'est sûr que quand Grenoble voit certaines situations de jeu qui n'est pas sifflées ou que c'est des pénalties. Ah, on t'a perdu, Patrick. Je suis en train de préparer. Allô ? Allô ? Oui, on t'a perdu l'espace de quelques secondes. Je te laisse reprendre. Ouais. Donc, Vincent Ognon est juste en train de préparer médiatiquement les prochaines rencontres qui vont être arbitrées pour espérer aussi un peu, comme Saint-Étienne, eh bien d'obtenir peut-être une situation plus avantageuse. Il faudra voir avec attention le retour d'Ajaccio, parce que ce que nous on a été capable de faire pour une longue série, peut-être que Ajaccio est capable de le faire, et après les équipes vont rentrer dans le rang. Saint-Étienne jouera entre la première et la cinquième place quasiment maintenant toute la saison. Il y a absolument rien à dire. Ils se sont achetés des jokers sportivement, hein, j'ai acheté, faut pas que je fasse attention à ce que je dis, mais grâce à leur performance, ils ont des jokers. Maintenant, il faut espérer qu'il n'y ait pas une nouvelle série négative qui se mette en place. Et pour cela, et pour éviter le doute, il faut qu'à Auxerre, il y ait une super performance. On va en parler du prochain match contre Auxerre. Alex, je vais te demander du côté de Caen et Bordeaux, est-ce que pour toi, ça y est, la crise est entérinée ? Est-ce que tu as l'impression de voir avec Bordeaux ce que nous, on a vécu l'an passé, par exemple ? Parce qu'on a l'impression qu'on a deux scénarios un petit peu parallèles entre Saint-Té l'an passé et Bordeaux l'an passé, et Saint-Té cette année et Bordeaux cette année. Autant la saison de Bordeaux l'année dernière m'avait un petit peu surpris parce que je les voyais pas avec un effectif suffisamment capable de tenir le haut de tableau toute la saison. Et bon, voilà, c'est devenu une demi-surprise en cours d'année et puis ça aurait pu monter sans ce match face à Rodez. Autant les voir si bas me surprend aussi, mais en même temps qu'à moitié, il faut bien comprendre que si le contexte à Saint-Étienne paraît apaisé, il n'est peut-être pas tant que ça, mais à Bordeaux, il est clairement pas apaisé du tout. Changement de coach déjà, Riera arrive, ne convainc pas, ça ressemble un petit peu à ce que vit Lyon aussi, hein, c'est-à-dire qu'on change de coach, mais on se rend compte que ça ne marche pas. Alors quels sont les prochains fusibles ? Quelles sont les prochaines décisions ? Un mercato d'hiver comme à Saint-Étienne, on a la recette. On peut les aider, mais Bordeaux, je me fais du souci, si ce n'est qu'ils auront peut-être quelques moyens cet hiver, encore que, mais Pat connaît mieux Bordeaux que moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'argent dans le bas de laine. Il y a plusieurs choses. D'abord, ce mercato hivernal, il est fait pour gaver la poche des agents et pour gaver les joueurs. Parce que quand tu es dans une situation difficile, d'aller chercher des joueurs qui veulent venir pour sauver une situation, il faut d'autres arguments que des arguments sportifs. On est bien d'accord sur ça. Non. On est d'accord, oui. Ensuite, tu dis le mercato hivernal permet et a permis à Saint-Étienne de faire,
de faire comment t'appelles, les efforts nécessaires pour te sauver sportivement. Oui, en Ligue 2, le même mercato sportivement qui a été fait en Ligue 1 n'a pas permis de se sauver. Et c'est ça, et c'est ça aussi. C'est-à-dire que même là, c'est du gambling. Tu jettes encore une fois la pièce en l'air et tu t'es dit, on va espérer que ça suffise. C'est plus facile. Avec Gasset, ça avait suffi avec Gasset à l'époque. Oui, mais pardon. Ouais, mais on s'est endetté pour combien de temps? Très très naïf. Déjà, ça a coûté très cher au club, d'accord. Mais c'est ce qui a permis de se sauver. Et la deuxième chose, le carnet d'adresses de Jean-Louis Gasset par le Paris Saint-Germain, par Bordeaux, par l'équipe de France, a permis de toucher des joueurs que jamais tu aurais pu avoir autrement. Voilà, tu oses dire que Duprat n'avait pas de carnet d'adresses? En tout cas, pas le même. Sur certaines pages, il est resté collé. Hein. Sur certaines pages, il est resté collé. Hein. Non, mais voilà, alors pour Bordeaux, quand on regarde, les gars, regardez un petit peu ce qui se fait de l'autre côté de nos frontières. C'est-à-dire que on est en pleine négociation des droits télé et rien. Moi, je ne manquerai jamais de respect à des équipes qui ont sportivement réussi à accéder à l'échelon supérieur. Mais quand tu vois les matchs, tu vois des 0-0, des 1-0, et que tu vois des affiches Le Havre, Metz, que tu vois Clermont, c'est rien, c'est le club doyen, il n'y a absolument rien à dire. Mais des places fortes, pour avoir un football fort que tu peux vendre à l'étranger, il te faut des bons joueurs, mais il te faut du Bordeaux, il te faut du Saint-Etienne, il te faut un Lyon dans la première partie du championnat, il te faut des Lens, il te faut quelque chose qui bouge. Et aujourd'hui, on a l'impression que voilà, on a le football qu'on mérite. Alors, tu as raison, Patrick, sauf pour Lyon dans la première partie du championnat, ça, je pense pas que ce soit totalement, totalement nécessaire, ou alors dans la première partie du championnat de National à la rigueur. Regardez quand même une chose. Il y a quelques années, alors je ne sais plus qui c'est, il dit à force de vendre nos meilleurs joueurs, les plus jeunes, à force de les faire partir pour combler les bas de laine, on va devenir nous-mêmes les Bulgares du football européen. Bon, je ne sais plus qui c'est qui l'avait dit ça. En fin de compte, ce qu'il voulait dire, c'est que nous, en France, on était plutôt bien en place et qu'on allait recruter en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, et on prenait des joueurs à droite à gauche pour essayer d'améliorer le niveau. Mais aujourd'hui, on puise dans notre substance même de notre football et on voit des joueurs qui jouent à 19 ans à Leipzig, à Salzbourg, en Angleterre, qui jouent. Et ça, à un moment donné, on ne peut plus lutter. Ouais. Mais donc, c'est pour ça. La seule chose qu'il faut trouver, c'est une réponse sportive, c'est-à-dire procurer du plaisir aux gens. Mais aujourd'hui, tu vois un match de Ligue 1, tu vois un match de Ligue 2 en ce moment. Et encore, je pense que c'est dans l'approche, dans le calcul. Ça ne se libère pas, ça ne court pas. Vous avez vu la Coupe du Monde féminine, sur certains impacts et sur certaines courses, c'est supérieur à ce qui peut se faire sur certains matchs en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est ça le constat qu'il faut faire. Et c'est pour ça que dans ma chronique, je dis, si tu ne fais pas le bon diagnostic, tu n'auras jamais la bonne modification ou tu ne trouveras jamais la bonne solution. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de la Saint-Etienne? Comment on veut y arriver? Avec qui sur les deux prochaines années? On ne peut même pas faire ça. Qui vous a sorti un plan de développement du club? Qui a sorti publiquement communication? Voilà comment on veut y accéder. Et après, tu as des objectifs intermédiaires que tu dois atteindre, ce qui te permet à un moment donné de corriger le tir, mais de dire en début de saison, regardez bien, encore une fois, la com en début de saison, clairement, Jean-François Toucas qui dit, on va jouer la montée. Vous êtes d'accord? On était d'accord? Oui. Le premier match, c'est la seule fois où il a apparu dans les médias. On joue la montée. Et là, Lolo Batès, après les matchs, il dit, ouais, mais nous, on va rester cachés, on va jouer les matchs les uns après les autres, on va voir, on reste bien, on ne se prend pas, on ne manque pas d'humilité. Voilà. Mais c'est deux discours qui sont complètement différents. Gab, je viens vers toi. Qu'est-ce que rapidement un mot sur nos adversaires de Ligue 2. Qu'est-ce qu'en pense le chat? Tableau comme la semaine dernière, c'est toujours Angers et Auxerre nos principaux favoris, nos principaux adversaires. Et même si Jo42 estime que Laval sera quand même top 2, donc à voir. Et sinon sur Bordeaux, ça a plus parlé de Bordeaux que de Caen. Ouais. Jo42 toujours et El Cato qui disent que Bordeaux va descendre et que c'est catastrophique de leur côté. Sinon SSE71100 qui lui s'en tape de Bordeaux, le plus important c'est que nous on monte. Donc on est plus égoïste mais en même temps c'est normal.
Il nous reste 10 minutes d'émission avant qu'on joue au Saint-Etienne Nightclub Challenge et que je vous fasse un petit quiz sympathique. J'aimerais qu'on parle du prochain match, du match à venir, donc je balance le jingle. Active Saint-Etienne Nightclub. Le prochain match. Le prochain match, donc, ce sera contre Auxerre la semaine prochaine. Déjà dans le chat, je vais vous demander de me donner un petit peu vos pronostics. Je vous affiche un petit visuel qui résume les choses importantes de cette rencontre. Messieurs, on parlait en début d'émission de la possibilité de changer un effectif qui gagne, de est-ce qu'on préfère miser sur la stabilité ou est-ce qu'on préfère miser sur un petit peu plus de fraîcheur. C'est des questions que Laurent Batless lui-même se pose. Est-ce que vous voyez des changements, vous, sur la composition d'équipe par rapport au match contre le PFC ? Alex, je vais être très attentif à tout ce qui va se passer cette semaine dans la communication de Laurent Batless, dans la communication tout court d'ailleurs. Je vais être très attentif aussi à voir ce que le staff va préparer pour essayer d'inverser cette tendance. C'est-à-dire qu'à Caen, on est passé d'une défense à 5 ou à 3, à une défense à 4, on est passé sur un 4-3-3, et puis on a enclenché cette série de 10 matchs sans défaite. Est-ce que là, le staff va se dire, accident, ne changeons pas tout, ça fonctionne, ne changeons même peut-être pas les hommes, ou pas tant les hommes que ça, et puis avançons avec nos certitudes. Est-ce qu'ils vont vouloir chercher un déclic? Est-ce que le retour probable de Batou Binsika en défense centrale va rassurer aussi? Est-ce que ça va passer par un élément ou l'autre? Est-ce qu'il y a un joueur qui va payer finalement cette défaite en sortant du 11 pour en faire entrer un autre? Vraiment, je suis très attentif et c'est plus de l'observation que des réponses ou des solutions que j'ai, parce que d'abord, je n'ai pas la prétention d'avoir des solutions, mais je vais vraiment observer comment les choses vont se préparer pour ce match à Auxerre. Ok. Patrick, toi, est-ce que au niveau des individualités, au niveau des hommes qui vont composer ce 11, tu ferais des changements? Alors, effectivement, on attend aussi les incertitudes. Hein. Est-ce que Batou Binsika sera remis? Est-ce que Wadji sera apte? Est-ce que Diarra est capable de faire un match plein? Tout ça, comme tu le disais, Patrick, c'est des choses qui se savent dans le vestiaire que nous, dont nous, on n'est pas forcément au courant. Mais sur le papier, est-ce que tu ferais des changements? Non, t'es dans un staff là, tu vas discuter, tu vas te dire, bon les gars, on vient de faire, je parle de staff, hein, on vient de faire une série de 10 matchs, je veux juste voir s'il s'agit d'un accident et je veux leur témoigner ma confiance. Ok. Et je vais les piquer dans leur amour propre et je vais leur dire, les gars, pour moi, il s'agit que d'un accident, maintenant c'est à vous de me le montrer et ce match à Auxerre vous appartient. Comme vous avez su faire l'essentiel face à Caen ou face à Troyes ou à Laval. Voilà. Okay. Ou à Laval. Ensuite, l'interrogation, elle est bien sûr autour de Nadé, mais pas parce qu'il a été bon ou pas bon, c'est que c'est un backup, donc il faut qu'il accepte son rôle de backup. Si je le blesse, bah, tant pis pour lui, ça lui montrait qu'il mérite de jouer à chaque match, mais là, c'est le staff hein, qui prend pour le moment les décisions de ne pas le faire jouer. Il y a une interrogation, bien sûr, sur combat aussi dans ce milieu-là. Et ensuite, forcément, parce qu'il n'a pas un statut de titulaire indéboulonnable, c'est Rivera, même si dans ses prises de balles, même si dans son aisance, même si dans ce qu'il est capable d'apporter au niveau de sa fraîcheur, il a été plutôt intéressant. Et après, c'est des discussions dans le staff. Est-ce qu'on prend un joueur confirmé et on fait rentrer Rivera, parce qu'il mérite aussi de jouer. Et puis après, c'est aussi... en fonction de l'adversaire. Voilà, les interrogations, elles se font comme ça. Comment joue Auxerre? Est-ce qu'ils ont des temps de possession? Est-ce qu'ils ont un jeu de transition? Est-ce qu'ils passent par les couloirs? Est-ce que j'ai besoin de faire ci? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? À l'image de ce qu'a fait Stéphane Gilly, regardez les faiblesses du jeu auxerrois, ouais, pour essayer d'imposer son style de jeu à soi, et en fonction de, comme disait Alex tout à l'heure, si le plan A ne marche pas, d'être réactif sur le plan B et de trouver les solutions pour porter ou pour mettre des problèmes à cette équipe de la JOCR pour poser.
pour poser des problèmes à Giosa. En parlant des faiblesses potentielles de Auxerre, Gab, j'ai vu que tu avais mis un petit message dans le chat. En ce moment, il y a Guingamp Auxerre, où on en est? Guingamp vient d'ouvrir le score 51e là. Donc 1-0 pour Donc Guingamp, ok. Voilà, on est toujours devant pour l'instant. Alex, un petit prono? Un prono optimiste, pour moi, c'est un match nul à Auxerre. On marque peu de buts, mais j'ose espérer qu'on va en mettre au moins un partout. Ok, un partout. Patrick, un petit prono? Il a dit tout à l'heure, quand on les attend pas, ils sont là, et quand on les attend, ils sont pas là. C'est un match à Auxerre où on se dit, on les attend pas, donc ils vont gagner. Ok, très bien. Et dans le chat, ça dit quoi en termes de pronostic? Ouais, Alex, tu dis quoi? Non, je disais CQFD. CQFD. Dans le chat, c'est quoi les pronos qui ressortent? Assez mitigé aussi. Il y a Pascal qui trouve qu'Auxerre tourne bien, donc il dit un partout, mais attention à une deuxième défaite consécutive. Elkato qui craint une défaite. Pizza Le Breton qui voit un 2-1 pour Saint-Étienne, puisque victoire impérative. Comme Grintoff qui espère une victoire, mais il a aussi peur d'une belle défaite. Sinon, au niveau des changements de l'effectif, DB415 qui espère Diarra à la place du Rivera, parce que le reste, malheureusement, n'a pas mieux. Et à l'inverse, Grintoff qui lui dit qu'on peut garder le même 11, mais même s'il espère un retour de Batubinsika, et il espère une meilleure gestion des changements de Batless, les faire plus tôt et mieux. Et Joss Randall qui lui est catégorique, Diarra est nul. Et Grintoff, attention à Gauthier 1 du côté d'Auxerre, c'est vrai que c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Donc c'est assez mitigé. C'est vrai, et ce serait beau qu'on ait un duel Gauthier-Gauthier avec potentiellement Antoine Gauthier qui rentrerait dans ce match. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis le début de saison alors qu'il avait fait une belle prépa. Il est 21h57, il nous reste 3 minutes et je vous propose qu'on joue ensemble au SNC Challenge. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le principe, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux ce soir. Tout au long de la saison, on fait s'affronter les chroniqueurs sur des petits jeux pour marquer des points. Chaque chroniqueur joue pour une association, pour l'association de son choix. Et le chroniqueur qui aura le plus de points à la fin de la saison fera gagner un chèque à l'association qu'il représente. Ce chèque sera tous les revenus qu'on a générés avec le Saint-Étienne Club tout au long de la saison. Pour rappel, Alex, tu joues pour quelle association? Pour les Petits Princes, pour exaucer les rêves des enfants malades. Et toi, Patrick, pour qui joues-tu? Pour les Restos du Cœur. Ok. Alors, je prends juste le classement du... Hop, voilà. Je vous l'affiche directement. Et nous allons y aller. Alors, la première question de ce quiz va être un au plus proche. Donc, vous allez chacun me donner une réponse et la personne la plus proche de la réponse exacte repartira avec le point. Ce week-end, contre le Paris FC, lors des 90 ans de l'AS Saint-Étienne, nous avons battu le record d'affluence de la saison avec la quatrième affluence du week-end Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Mais je vais vous demander, messieurs, combien y avait-il de personnes dans le stade? Je vais commencer avec toi, Patrick. Ouais, mais alors c'est avec les gens qui viennent de passer le balcon ou non? Alors, c'est l'affluence officielle donnée par les organisateurs de la rencontre. Ah, donc pas par les organisateurs ou par la police? Par les organisateurs. Les syndicats. Les 37 658. 37 658. Et toi, Alex? Non, moi j'ai écrit pas mal d'articles autour de la rencontre. J'ai en tête un chiffre, c'est peut-être le bon, mais j'ai 35 543, mais il me semble que c'est ça. Eh ben, franchement, à 20 spectateurs près, tu l'avais, Alex, c'est 35 563. Donc tu marques le premier point. Et on va rester sur... Ben lui. Donc il était avec la police. C'est ça. On va rester sur le même type de question, mais on va aller d'un point de vue historique. Le record historique d'affluence au stade Geoffroy Guichard, qui a été atteint lors de ASSE Lille en quart de finale de Coupe de France en 1985. Je vais vous demander, pareil, combien il y avait de spectateurs dans le stade. Et ce coup-ci, je vais commencer avec toi, Alex.
Alors moi, je me souviens d'un SSE Le Puy qui avait fait beaucoup, beaucoup de spectateurs. Donc, je suis même étonné que ce soit SSE Lille. Je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je dirais 41 103, parce qu'il y avait plus de monde que je crois pouvait permettre Que de le places stade. disponibles. Ouais, Ouais. je crois. Avec les tribunes où il n'y avait pas encore les sièges dedans. Ok, donc Oui. 41 000 combien t'as dit? 103. 41 103. Mon cher Patrick, combien tu dis toi? Alors effectivement, et là je le sais parce que c'était un match qui était assez surprenant, c'était un match de Coupe de France, parce qu'il y avait des gens de partout. On parlait de sécurité tout à l'heure, il y avait dans les travées, il y avait du monde dans les couloirs de sécurité qui mènent aux tribunes. Je pense qu'il y avait plus de 45 000 spectateurs. Ok, et tu dis combien exactement, histoire d'avoir un chiffre? 45 153. Eh bien, c'est toi ce coup-ci, Patrick, qui est le plus proche, puisqu'il y avait exactement 47 747 spectateurs. Donc, on avait effectivement bien dépassé la capacité du stade. Donc, ça fait un partout ce Ah oui, soir. c'est énorme. Troisième question, toujours d'un point de vue historique. On va faire une question enchère. Donc vous allez me dire, je peux citer tant de joueurs. Ah, moi je peux en citer plus, etc. etc. Et donc celui qui a la main pourra donner ses réponses. Lors de la saison 1980-1981, la SSE remporte son 10e titre de champion de France qui lui permet d'arborer fièrement une étoile au-dessus de son maillot. Combien de joueurs pouvez-vous me citer de l'effectif de cette saison-là? Alors, Patrick, combien de joueurs tu peux me citer? Il y en a un paquet que je connais. Hein. Je vais dire 8. 8. Alex, est-ce que tu peux en Oh citer là. plus? Bon, je peux en citer 9, ça c'est sûr. Est-ce que, Patrick, tu peux en citer plus? On ne peut pas la faire à deux? Non. Hey, tu sais, Patrick, qu'on est les deux plus nuls de ce jeu quand même. Ouais, Donc il mais faut qu'on se départage. Hein. Je vais dire 10. 10, ok Alex, est-ce que tu surenchéris? Je sais que Patrick, c'est un joueur de poker. Il la joue modeste, il va nous en citer 18. Mais je vais le laisser en citer 10 quand même. Je Ok. vais prendre ma leçon parce qu'il est meilleur. Alors c'est parti, je t'écoute Patrick. Alors, je vais vous dire au fur et à mesure ceux avec qui j'ai des souvenirs, parce que j'ai des souvenirs personnels. Avec Jean-Louis Zanon, par exemple, Jean-Louis Zanon, effectivement. était un très jeune. Ensuite, il y en avait eu un. Alors, je ne connais plus l'ordre, mais je sais qu'il a été 3 fois champion d'affilée. Avec Nantes, avec Strasbourg et avec Saint-Étienne, mais je ne connais plus l'ordre, c'est Bernard Gardon. Bernard Gardon, c'est bon. Ensuite, c'était avant la Coupe du Monde, donc il doit y avoir Jeff, mais pas Lucas Larios. Alors, Larios, oui, et... Non, mais Jeff, Jean-François Ah Larios. oui, ok. Il n'y avait pas Jean-François Jeff Larios, il Lucas. était là, effectivement, c'est bon. Après, parce que c'était cette génération-là, il doit y avoir Patrice Lestage, Oui. que j'ai connu dans ma vie post-joueur. Tout à fait, il avait 17 ans à l'époque, mais il fait bien partie de l'effectif professionnel. Peut-être tu vas pas sur les plus faciles dès le début. Allez, 4 Non, validés. mais parce que c'est tous ceux que je viens de citer là, c'est des gens avec lesquels j'ai eu des Ok. affinités durant ma carrière ou après ma carrière. Avec Thierry Wolff, par exemple. Thierry, il a été aussi champion de France, il était jeune, il a joué avec moi dans l'amicale des anciens, il a été à partie à un moment donné de mon équipementier. Donc c'est pour ça, ça me revient tout de suite Alors, comme Pépèze, Christian Lopez. Thierry Wolff est le cinquième validé, Christian Lopez est le sixième validé, plus que quatre. Après, mais parce que j'en ai discuté, par exemple, Yves Colleux, ça a été mon entraîneur adjoint à Rennes. Yves, il y était aussi. Yves Colleux, Yves Colleux, Yves Colleux, il y était également, ça Bien fait sûr, parce que sept. j'ai discuté avec eux. Après, il y a le putain, j'arrive pas à trouver le nom, mais l'adjoint de Galette, Thierry Olésiac, qui doit y être. Olexiac, Olexiac. Olexiac, il y est, ça fait 8. Il doit y avoir. Je garde le meilleur pour la fin, je vous le dis comme ça. Alors, le meilleur, moi, j'aurais dû dire Jeff, parce qu'à l'époque, c'était un joueur que j'adorais. Mais il y a bien sûr Paga. Paga qui était. Paga, c'était Paganelli, Paga. tout à fait, ça fait 9, plus qu'un.
Et après, avant de partir à la Juve, son dernier titre, et justement quand Bernard Gardon dit reste à Saint-Etienne parce que je vais t'offrir le titre, c'est Michel Platini. Michel Platini, et le dixième est validé. Félicitations. En plus, t'as vraiment pas sorti ce. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ça commence par du Kurkovic, par du Platini, par du Santini, par du Johnny Rep, tout ça. Et franchement, t'as sorti les jeunes de l'effectif. Bon, donc, bravo, bien joué. Est-ce que... j'ai juste une question, il devait y avoir Eric Bélus aussi. Oui, tout à fait. Qui faisait partie des jeunes aussi, 19 ans. Avec tout cela, j'ai joué, ils ont débuté et tout ça. C'est pour ça que j'ai cité eux, parce que j'étais tout le temps avec eux. Pour ça. Bah franchement, bien joué. Castaneda dans les buts. Il hein. Y avait Castaneda dans les buts, ouais. Castaneda et Kurkovic qui étaient les deux gardiens de l'effectif pro. On enchaîne parce qu'on est un petit peu à la bourre. Donc là, je marque 10 points. Ah bah évidemment que tu prends 10 points. Comme ça, tu passes premier du classement de très très loin. Il aurait pas dit Platini, il m'aurait humilié, mais Platini. C'est clair. Merci d'avoir dit au moins Platini. Allez, on termine avec une dernière question. Je vais vous donner la biographie d'un joueur. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre nom et je vous donne la parole. Évidemment, si vous vous trompez, la main va au chroniqueur suivant. Je suis un joueur français, né le 8 septembre 1947 à Bisanos. Je débute le football à Pau et je remporte le concours du jeune footballeur en 1964. Ah, Alex ? Oui ? Jean-Michel Larquet ? Waouh ! Eh bien, bien joué, Jean-Michel Larquet, ça fait deux partout. Je termine sa biographie rapidement. Repéré par l'AS Saint-Etienne, je signe au club en 1966, où je deviendrai un joueur majeur. Ma petite taille, 1m73, ne m'empêchera pas d'être appelé en équipe de France, où je serai là aussi un joueur marquant. Avant de partir de Saint-Etienne pour rejoindre le Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur-joueur, j'aurai eu le temps de participer à la fameuse épopée de 76, et plus globalement de prendre part à 402 matchs sous la tunique verte pour un total de 101 buts, sans pour autant être attaquant. Reconverti depuis en tant que journaliste sportif, je vais devenir l'une des voix emblématiques du commentaire sportif aux côtés de Thierry Roland. Je suis Jean-Michel Larquet. Et ben félicitations, on est sur une belle égalité de partout sur ce quiz. Merci Alex, merci Patrick d'avoir passé cette émission avec moi. Merci bien sûr au chat qui a été présent et merci bien sûr à Gab qui nous rejoignait ce soir dans l'équipe pour prendre soin de vous dans le chat. Merci beaucoup, bienvenue à toi Gab. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Auxerre ASSE. Bonne soirée tout le monde, salut.